Alors, pour les partisans qui sont déjà présents et qui n'étaient pas là la semaine passée, vous voyez nos deux amis devant les estrades avec le carton bleu et le carton blanc qui sont devant vous. Ils sont pas là pour rien. Tout au long du match, on sait que le 13e joueur est important, qu'on a besoin d'un maximum de bruit. On va utiliser nos deux amis pour synchroniser le bruit à des moments stratégiques. Là où ça va être le plus payant, soit pour encourager les gaillards ou pour influencer le synchronisme de l'adversaire. Est-ce que ça vous tente de faire un test? Quand les cartons se lèvent, on fait un maximum de bruit! Excellent, excellent! Vous avez tout compris, c'est parfait, c'est merveilleux! Fait qu'on surveille les cartons tout au long du match pour synchroniser le bruit. Alors, bienvenue à ce match de demi-finale opposant les triades du cégep de Lanaudière à nos gaillards du cégep de Jonquière! Thank you.
Et pour débuter le match, les Gaillards effectueront le botté d'envoi sur ce bon match à tous! Let's go les bleus! Côté sur une courte distance, le ballon est presque recouvert par les Gaillards. Et la défensive s'amène pour la première fois du match, tout juste devant le 13e joueur. On se prépare à faire un maximum de bruit. On sait que votre présence est importante. On encourage les bleus! Go, les go, les go! Le porteur de ballon d'Étrian n'a nulle part où aller. On plaqué le numéro 44, Elian Benata. Ça sera donc un deuxième essai. Et un peu moins de diverge à faire pour l'Étrian. On fait du bruit, on encourage la défense. Le front défensif est intraitable au sol en début de match. Perte de terrain de deux verges, deuxième essai 12. Et on se prépare, on se prépare. Et la passe est complète! Quatrième essai, plus 15 verges! L'unité de battue d'engagement qui s'amène sur le terrain!
La défensive des Gaillards qui fait le travail. Excellent retour encore une fois du numéro 88, Matteo Sankara. Et la recrue qui gagne de bonne verge. Et l'offensive de Philodzouk s'amène sur le terrain pour la première fois du match. C'est un très bon numéro 11 des Gaillards, Lyon. Bonne c'est incomplet, deuxième essai 10. C'est le temps au chaîneur de se replacer. On reprendra le jeu d'un instant à l'autre. Premier essai 10 à faire pour les Bleus. Incomplète, il y a une pénalité dans la tertiaire, ça semble être contre les Triades. Attends, on va voir la décision là. Et oui, effectivement, la pénalité contre la Naudière. On va avancer le ballon. Et on indique que c'est un premier jeu. Passé par le numéro 15, Pierre Cholet. Dans quelques verges après l'attraper. Un deuxième essai. Et cinq verges à faire.
Olivier Lefebvre qui conserve le ballon et qui va chercher encore plus qu'un premier jeu. Il y a une pénalité en fin de séquence après le gain des Verges. Attendons voir ce que les officiels ont vu. La pénalité est contre Jonquière. On a retenu du côté des Gaillards, c'est après le gain des Verges. On sera donc premier jeu, loin en territoire des Triades. On recule un peu le positionnement du ballon. Premier jeu Gaillard! Bonne réaction du vétéran Lefebvre qui court. Passe à nouveau capté par le numéro 15, El Cholard, Pierre Cholet. Très bon gain sur le jeu, deuxième essai et deux verges à faire. Et on dit que la passe n'est pas validée. Troisième et deux. Et on indique la réception, le numéro 15. Très belle concentration de Pierre Cholet. C'est bon pour un premier jeu gagnant! Ah, bonjour les gars. Passe incomplète. Deuxième essai et 10 à l'intérieur du 15 en territoire de la Naudière. Et c'est bon pour un toucher Gaillard! Excellente réaction du numéro 8, le Canarien Olivier Lefebvre qui inscrit le major au sol! Transformation réussie par Xavier Thibault, le numéro 92, notre batteur. Et alors, avec 6 minutes 18 à faire au premier quart, la marque est de 7 à 0 en faveur des Gaillards.
Et on fait du bruit. On fait du bruit pour les Bleus. Let's go, let's go, let's go. Bon retour du côté des Triades. Et la défensive des Gaillards revient sur le terrain pour la deuxième fois du match. Oh, pénalité sur le retour. Ce qui influencera de beaucoup le positionnement de l'attaque des Triades. Et ce qui aligne parfaitement la défensive des Bleus devant le 13e joueur. Alors on se prépare, gang, à faire un max de bruit. On sait qu'on a de l'impact sur le match. Let's go, let's go! Le porteur de ballon n'a nulle part où aller. Qui fait sentir sa présence. Sac du corps! Ce sera donc le troisième essai, plus de 15 verges à faire encore une fois. On veut vous entendre, on fait du bruit pour les Gaillards! C'est incomplète! Quatrième essai, plus de 15 verges! Les Bleus qui font le travail encore une fois! Let's go, let's go, faites du bruit aussi. Bonne montée, bonne couverture du côté des Triades. Et l'offensive qui revient aussitôt dans le match. Passe captée par le numéro 84, Paul Gilbert. C'est bon pour un premier jeu gagnant. Olivier Lefebvre qui continue son excellent travail avec une passe de plus de 15 verges sur la séquence. Alors, Rémi, Alexis Bonnefoy, bonne réaction de consigne. Perte de pari sur le jeu. Lâchez-vous!
Chanson incomplète, troisième essai. Hein? Du côté des Pouillades. L'unité Poté d'engagement des Gaillards s'amène sur le terrain. Avec un quatrième essai, plus d'un verge à faire. Et Lefebvre qui réagit bien plutôt que de lancer de façon risquée, conserve le ballon et, comme un bon vétéran, accepte le sac du cœur. Excellent accueil du côté des Gaillards et la défensive qui revient sur le terrain. Au 46 en territoire des Triades. Et on se prépare le 13e joueur. On veut de la chaleur. On envoie de l'énergie au bleu. Let's go, let's go, let's go! Excellente réaction, encore une fois, du front défensif. Une meute de gilets bleus au point de remise qui effectue le plaqué. Une perte d'autour de 7 verges, 6 verges sur la séquence. Deuxième essai, 16. Let's go! Et la passe est incomplète. Troisième essai, 16 à faire. Et on se prépare. Le 13e joueur de Boulogne veut vous entendre. On encourage la défensive. Let's go! La passe qui est presque interceptée, quatrième essai, 16, et la défensive qui freine les élans des Triades pour une troisième séquence consécutive. Un troisième essai, plus de 15 verges, qui n'est pas converti. L'unité potée de dégagement des Triades revient sur le terrain. Aucun mouchoir sur le terrain. Matteo Sankara, très combatif, va chercher quelques verges supplémentaires suite à la réception du Botté. Premier essai, 10 à faire pour les Gaillards. Thank you.
passe captée par le numéro 17, Émile Duceppe, suite à une fin de course, passe en optionnel, joueur de ligne défensive des Triades, et c'est bon pour un premier joueur gagnant! Perte d'une verge, deuxième essai, 11 à faire pour les Gaillards. C'est incomplet, il y a une pénalité sur le jeu. Attendons voir la décision des officiels. Ça semble être... Pénalité contre la Lontière. C'est bon pour un premier jeu. Passe incomplète, tentée vers William Fortin. Deuxième essai, 10. N'hésitez pas à aller vous réchauffer là, un peu deux estrades à la cantine. Il y a des hot dogs, des breuvages, chips chocolat. Et on indique que c'est bon pour un premier jour gagnant! Belle exécution! On sait que c'est des passes qui sont pas évidentes à lancer. Très belle passe du corps arrière! Numéro 8, Olivier Lefebvre! Du côté des Gaillards. Excellente verge après le gain, le numéro 15 à la recrue, Pierre Cholet. Ce sera tout près le premier jeu, deuxième essai. Une verge. Yeah!
Fortin cette saison. Il récidive pour inscrire le toucher. Passe parfaite. Transformation réussie. Et avec 12 minutes 14 à faire au deuxième quart, la marque est maintenant de 14 à 0 en faveur des Gaillards. Et on indique le point du côté des Gaillards. Le ballon est sorti dans la zone de but, ce qui empêche le retour et donne un point de plus aux Gaillards. Un match de football, ça se gagne par un point, alors on va le prendre. Et l'offensive des Triades qui revient à son 35. Le 13e joueur, on veut vous entendre jusque là-bas. On encourage la défensive. Au plaqué, Léo Fleury Bélanger qui dit non, non, non. Blessé du côté des Bleus. Numéro 51 des Gaillards qui rabroue le porteur de ballon au sol. Il est intraitable en début de match. Par le 13e joueur. Ça siffle, on fait du bruit pour les Bleus, le tout, le tout, le tout. Sac du corps, le numéro 2, Charles-Antoine Gay, qui s'amenait sur le blitz dans le dos du quart arrière. Très grosse perte de terrain sur le jeu. Troisième essai autour de 20 verges à faire. On veut vous entendre le 13e joueur. Let's go! Et on y allait avec une passe voilée tentée du côté des Triades. C'est incomplet. Quatrième essai, 20. L'unité potée dégagement des Blancs s'amène sur le terrain. Let's go.
Il y a une pénalité sur le retour. Attendons voir la décision des officiels. Et encore une fois, comme la semaine dernière, Sankara voit son retour de beauté touché, raflé. On a retenu malheureusement du côté des gaillards. La bonne nouvelle, c'est que le positionnement sur le terrain va être excellent. On sera tout près du centre pour commencer la séquence offensive. La combinaison, le 16 du 7 qui récidive pour un très bon gain autour de 7 verges. C'est donc un deuxième essai. Numéro 17, Émile Duceppe qui effectue l'attrapé. Deuxième essai, 3. Passe captée par le numéro 1, William Fortin, c'est un premier jeu! Gaillard! Très long gain, un gain d'environ 30 verges sur la séquence, 25-30 verges. Passe tenté vers Pierre Cholet, c'est incomplet. Ce sera donc deuxième essai 10. Soulignons la présence des cousins Laberge encore une fois cet après-midi au match de football. Passe captée par Émile Duceppe. Attendons voir le positionnement que les officiels vont donner au ballon. Oh, c'est un très bon gain, un gain de 8 verges, un troisième essai 2. Émile Duceppe qui récidive, c'est bon pour un premier jeu gagnant! Transformation réussie par Xavier Thibault.
3-3 aujourd'hui, la marque 22-0. 7 minutes 15 à faire au deuxième quart. On fait du bruit pour les gagnants! Bon retour du côté des triades, un mouchoir en 5 secondes. Est-ce qu'on a utilisé le casque de mauvaise façon? La passe est complétée. On semble ici les compléter qu'on a échappé par l'autre. Il y aura donc possiblement un gain là, sur les jeux. Attendons voir les arbitres. Bon, on indique là, que la passe était incomplète. Et ce sera donc deuxième essai 10. On se prépare le 13e joueur. Let's go! Léon Fleury Bélanger qui fait encore sentir sa présence. Le carrière doit lancer le ballon rapidement pour éviter le sac du corps. Ça sera donc troisième essai 10, un gros troisième essai tôt dans le match. Le 13e joueur, on se prépare, il y a un gros 3e, on a besoin de toute notre énergie. Let's go! Passe complétée du côté des triades.
un gain d'environ 35 à 40 verges. Pardon. Un gain de 37 verges, 38 verges. On continue de faire du bruit, on encourage la défensive. Let's go, let's go, let's go! Excellente réaction du côté des Bleus. Porteur de ballon, on n'a nulle part où aller, ça donc un deuxième essai. Et au football, l'important, c'est qu'on plie, mais qu'on casse pas. On va avoir besoin du 13e joueur. Préparez-vous. On suit les cartons, on suit les cartons. Ballon conservé par le corps arrière. Le numéro 8, Olivier Lefebvre. Un excellent gain. Ce sera donc deuxième essai 5. Incomplète. Receveur des Gaillards qui perd pied. Pas de pénalité d'infraction sur le jeu. Troisième essai 5. Escapé par le numéro 15, Pierre Cholet. Bonne réaction du côté des Criades. On effectue le plaqué instantanément. Aucun gain sur le jeu. Quatrième essai. Et 5, l'unité de beauté dégagement des Gaillards s'amène sur le terrain. Ballon qui sort en touche, aucune possibilité de retour. Et on s'échange les hostilités, l'offensive des Triades revient une fois de plus là, en plein centre du terrain avec le temps mort du 3 minutes là, qui se fait entendre. On en profite pour remercier nos précieux partenaires IGA Saint-Hubert, la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière, l'imprimeur des restaurants Rodi. Yannick Gagnon, député de Jonquière, ville de Saguenay, l'hôtel Delta Saguenay, Quentin Gagnon, assurance, ainsi que la GJ. Merci beaucoup!
au numéro 24 des triades. Très bonne réaction du côté de la défensive. Un gain d'environ une verge. Deuxième essai. Et on surveille le positionnement, on surveille les cartons. La passe est incomplète, troisième essai neuf, gros troisième juste devant les estrades du 13e joueur des Blancs. On va avoir besoin de la chaleur et des encouragements de tout le monde. La défensive qui, une fois de plus, est intraitable aujourd'hui. Ils veulent vous entendre, ils veulent vos énergies. Let's go, let's go, let's go! Et la passe qui est rabattue à la ligne mêlée. Le numéro 9, le secondaire, toute étoile, Mathis Tremblay, qui rabat la passe. Quatrième essai 9. Et on y allait avec un jeu truqué du côté des triades. Malheureusement pour eux, le ballon sort en touche. Et on a fait botter là, un des joueurs qui était dans la protection. Et on sait que sur les bottés dégagement, si un joueur se trouve derrière le botteur, il peut aller récupérer le ballon. C'est ce que voulait faire le joueur qui se dirigeait vers les lignes de côté en faisant semblant qu'il manquait quelqu'un. Malheureusement, le ballon sort en touche. Le résultat, premier essai 10 pour les Bleus. Passe captée par le numéro 1, William Fortin. Et ça sera tout près du premier jeu. Et oui! C'est suffisant pour le premier jeu! Gaillard! Bonjour du côté du numéro 4 des triades. Passe rabattue, sera donc deuxième essai 10. On arrête le temps. 1 minute 46 à faire avant la demi. Quel jeu! Quelle passe captée par le numéro 84, Paul Gilbert! Quelle lecture, quelle patience et quelle protection de passe de la ligne offensive! Le cœur arrière a eu tout son temps pour s'exécuter. Un gain d'au moins 30 verges.
quelle passe! Juste un peu d'air par-dessus le demi défensif pour atterrir dans les mains du numéro 6, Jasmin Lévesque. C'est bon pour un autre petit jeu gaillard! Hey, vous pouvez sortir vos coupons de moitié-moitié pour la somme de 170 $. Passe captée par le numéro 11, Liam Bedarin. Et on indique le premier jeu. On va sortir nos coupons orange à moitié-moitié. Le numéro gagnant va être nommé après le prochain jeu. Peut-être. Ballon remis à Alexis Bonnefoy. Bonne réaction de la défensive. Et sortez vos coupons. DJ, baisse la musique, s'il vous plaît. DJ Ju. Le numéro 35-92. 21, 35-92, 21. Vous présentez à la cantine entre les deux estrades pour la somme de 170 $. 35-92. 21. C'est-tu... c'est lui qui est là, Jean-Yves? On sait, c'est 84! Hey, c'est-tu vous? C'est lui? Samy Marc-André. Pas mort demandé là, du côté des gaillards. Du beat du Jiju. L'interception du côté des Triades avec 18,5 secondes à faire au deuxième quart.
La gagne de bonne verge du côté des triades. Deuxième essai 4. Troisième joueur, on veut entendre des encouragements pour la défensive. On se fait entendre. Let's go! Du deuxième quart, on fait un maximum de bruit pour les gagnants, on les encourage, le match n'est pas terminé, on leur donne de l'énergie pour qu'ils sortent en force au troisième quart, let's go les gagnants! Thank you.
Alors on va reprendre le troisième quart, le Gaillard qui recevra au côté d'Envoi. Très belle réaction du côté des Gaillards, le Pantel Motécourt. Le moté était très bien exécuté, mais le numéro 29 est qui dit non? François Desrosiers, le porteur de ballon qui gobe la balle. Et l'offensive des Gaillards s'amène avec un excellent positionnement sur le terrain. Passe captée par le numéro 15, Pierre Cholet. Légère perte de terrain sur le jeu. Bonne réaction du côté des Triades. Ce sera donc deuxième essai. Ballon porté en plein centre par Alexis Bonnefoy. Un gain d'environ 2 verges. Ce sera donc un troisième essai. Troisième essai 10. C'est tenté qui est incomplète, quatrième essai 10. L'unité de montée et dégagement, les Gaillards s'amènent sur le terrain. Et on sait que le Rouge et Or et le Carabin s'affrontent en ce moment même. La marque est de 7 à 0 en faveur des Carabins. Ballon qui sort en touche, aucune infraction sur le jeu. Et on continue là, de s'échanger le positionnement de terrain chez les deux équipes. Et la défensive des Gaillards qui s'amène sur le terrain. Et on sait que c'est là qu'on a besoin d'un maximum de bruit. On continue de surveiller nos deux amis qui ont des cartons. On surveille les cartons, puis quand ils sont dans les airs, on veut entendre un maximum de bruit! Pensez compléter du côté des Triades. Le gain d'environ 8 verges, deuxième essai 2. On lance un mouchoir. Pénalité semble être contre les Gaillards. Et on a interpellé là, sur l'exécution au niveau de la réception. On va avancer les chaînes, les gars. Le premier jeu de l'étriade.
Passe presque interceptée. La pression était très forte. Deuxième essai, 10. Et on s'installe du côté des Triales. On veut vous entendre, le 13e joueur. On encourage les Bleus. Qui est intraitable encore une fois. Le porteur de ballon n'a nulle part où aller. C'est donc troisième essai. 10 à faire, aucun gain. Hey, le 13e joueur, vous êtes-tu prêt à faire un max de bruit pour encourager la défensive? Préparez-vous. Ça sent bien. On surveille les cartons. On surveille les cartons. On arrête le jeu. Semblait avoir un mauvais alignement là, du côté des gaillards. On dépassait le ballon. On va avancer le ballon de 5 verges. Alors, troisième essai et 5. On se tape un et on commence, gang. On surveille les cartons. Passe complétée. Aucune infraction sur le jeu. Premier jeu pour les Triades. Passe complétée au numéro 4 des Triades. Et on indique le premier jeu. On fait du bruit, on envoie l'énergie au gaillard. Let's go, let's go, let's go! C'est incomplète! Deuxième essai, 10! Et le 13e joueur, on sait qu'on influence le jeu, on se prépare à faire du bruit, on encourage la défensive. On suit les cartons, let's go, let's go, let's go! Et Léo Fleury-Bélanger qui dit encore une fois non, non, non! Malheureusement, sans l'avoir écopé d'une pénalité du côté des gaillards. Pénalité, là.
Kingsville, le Nouveau-Brunswick. On va voir avec le protecteur facial. On fait du bruit, on encourage la défensive! La pression était très forte! La passe était complète! Le numéro 44, Elian Benata, qui fait encore une fois sentir sa présence! Excellente réaction encore une fois de la défensive. Le cœur arrière n'a nulle part où lancer et nulle part où aller. Troisième essai. Bon, troisième, on fait du bruit. Et on arrête le jeu. La passe est faite contre... Les pionniers de Rimouski, dans la division 3. Il a joué QB, sa dernière année, il a joué secondaire. Puis là, ben, il prend faux filage du corps. Puis... C'est un cheval, là. Ouais. Thank you.
la transformation Hydro-King! Et pour les amateurs de foot, peux-tu baisser mon micro un peu, Julie, s'il te plaît? Pour les amateurs de football universitaire, le Rouge et Or qui s'est inscrit à la marque, c'est maintenant 7 à 3. On y va encore une fois avec une tentative de botter court du côté des Triades. C'est récupéré par les Gaillards, heureusement. Il y avait un mouchoir sur le terrain. Et la marque là, que je disais, on est football universitaire, c'est 7-3 pour les Carabins. La pénalité était contre les Triades. On l'annule. Premier essai 10 pour les Gaillards, tout près du centre du terrain. Let's go, guys! Ancien complète. Ce sera donc deuxième essai 10. Porté par le numéro 33, Kevin Mukamoun! Quel travail! Quelle force physique pour gagner les verres supplémentaires! Et on semble vouloir mesurer du côté des officiels. On fait signe aux deux équipes de s'écarter. Très belle course en puissance, très rapide encore une fois, le numéro 33, Evan Mikamou. Gagne de belles verges au cœur de la ligne offensive. Il y a un mouchoir en fin de séquence. La pénalité est contre la Naudière.
Et on continue de progresser en territoire adverse. Pénalité de 15 verges. Passe incomplète, deuxième essai 10. Séquence. On a saisi le casque là. Devant Mikamou, c'est contre les triades. Une autre pénalité de 15 verges qui s'accumule. On positionne le ballon à la ligne de 1. Premier essai et les buts à faire pour les Gaillards. On cafouille un peu dans le champ arrière des Bleus. Ballon remis à Mikamou. Ce sera insuffisant pour atteindre la zone de but. Ce sera deuxième essai et les buts. Côté de la défensive des Blancs. Ah, Julie, fais juste baisser un peu mon mic, s'il te plaît. C'est bon pour un toucher. Il y a une pénalité sur le jeu. On a retenu. On a retenu là, du côté de Jonquière.
Sarah, pourriez-vous emmener l'autre micro, s'il vous plaît? Sarah, tu peux-tu m'amener l'autre micro, s'il vous plaît? Escorté par le numéro 84, Paul Gilbert! Et on se rapproche dangereusement de la zone des buts. Bonne stratégie du côté des gaillards, on battait là, dans un endroit où il y avait peu de joueurs du côté des triades. Heureusement pour la Naudière, il recouvre le ballon et la défensive des gaillards s'amène. Avec 3 minutes 7 à faire au troisième quart, la marque est de 29 à 6 en faveur des gaillards. On maintient brûlant d'encourager le Blue Let's Go. Thank you.
Encore une fois, la pression était très forte sur le corps arrière des Pléiades. La passe est incomplète. Deuxième essai 10. Alors, est-ce que le 13e joueur le plus bruyant de l'Amérique du Nord est dans la place? On va vous en faire. Let's go! De passe. Et le joueur qui lançait le ballon a fait la rencontre d'un joueur d'ail bleu. Gros troisième essai 10. On se prépare, gang, on surveille les deux amis avec les cartons devant vous. Peut-être à rapprocher, on va pas. Les joueurs sont prêts. On encourage la défense. Quatrième essai, 14 manches à faire. Mais on semble conserver l'offensive sur le terrain. Alors, c'est comme un jeu normal, on fait du bruit. On encourage les blancs, let's go, let's go, let's go! Les Pléiades qui conservent l'offensive sur le terrain, 4e et 5-14. Salut Annie Claude! Salut Annie Claude! On fait du bruit, on encourage les bleus, let's go, let's go, let's go! La pression était très forte, on est rapide au plaqué, il y a un mouchoir là. Attendons voir la décision des arbitres. Côté des Pléiades, la pénalité est déclinée, c'est un premier 10 pour les Guerriers! Salut Régis! Timmy! Capté par le numéro 33, Evan Nicamou. Va chercher l'énergie des plus. Et on est
jusque dans la zone des buts. Et Olivier Lefebvre qui continue son travail. Ajoute une passe de toucher à sa fiche. Ça, Keller, man. La transformation est réussie. Xavier Thibault, le numéro 92, fidèle au poste de batteur qui fait travail. La marque est maintenant de 36-6 en faveur des Gaillards. On les applaudit. On fait du bruit pour nos favoris. Let's go, let's go, let's go! D'Olivier Lefebvre qui réplique sur le terrain avec un excellent positionnement au 38 en territoire adverse. Let's go! Qui conserve le ballon, qui va chercher beaucoup plus dans le premier jeu. C'est un premier jeu Gaillard! Sylvie! La pénalité sera appliquée sur le côté. Pénalité contre les Gaillards. Hein. On semble avoir trop célébré. Fini. Transformation réussie. Et en cette fin de troisième quart, la marque 43-6.
Il y a une pénalité sur le jeu, c'est encore contre les Gaillards. Attendons voir le positionnement du ballon sur le prochain boté. Ça risque d'être assez intéressant. Ah ouais? François voudrait savoir le résultat Carabin et Géant. Devront voter à partir de leur 25 dû aux dernières infractions. Et la marque est toujours de 7 à 3 en faveur des Carabins au niveau du football universitaire. Et peu importe le positionnement du ballon, on fait du bruit pour les Gaillards! Excellent beauté du numéro 15, El Scholar. Quelle belle couverture! Malgré le positionnement initial du beauté, l'offensive des Triades s'amène sur le terrain à l'heure 40. La défensive revient sur le terrain. Le 13e joueur se prépare à faire du bruit. Très belle réaction encore une fois de la défensive. On pénètre rapidement le numéro 44, Eliane Benata. Numéro 51, Léon Fleury de l'Angers, qui avait terminé le travail avant que le joueur perde pied. On perd du terrain, ce sera donc deuxième essai un peu plus diverge. Le quatrième quart débute à l'instant. On va inverser les deux équipes. Et avec 15 minutes à faire au match, la marque est de 43-6 en faveur des Gaillards! Et les Gilets Bleus qui sont tout juste devant le 13e joueur. Et pour le dernier quart de la saison, c'est la dernière fois qu'on les a devant nous. On les encourage! On dit que la passe est captée. Avant le troisième essai et 7 et 6. Troisième et 7. 7. Bon, les arbitres se consultent. Tindy. On a dit que la passe est complète. Troisième essai, encore une fois plus diverge. La défensive des Bleus est affamée aujourd'hui. On fait du bruit pour les Gaillards! Belle réception du côté des Triades. Bon côté de Simon Racine, le vétéran, le numéro 3. C'est bon pour un premier jeu du côté de la mondiale. Le...
La passe est incomplète. Deuxième essai 10. La pression était très forte sur les deux coins de ligne. La passe est incomplète. Troisième essai. Et 10 à faire pour les Triades. Et la défensive de coach J.M. très solide encore une fois aujourd'hui. On se prépare le 13e joueur. On envoie des encouragements au chalet bleu au 5e set. On fait du bruit pour les gagnants! 7 du cœur! Encore une fois, l'entre de Boulanger, Julien de Lefebvre, Mathis Tremblay, les ténors et gagnants qui frappent à la porte! Le secondaire, toute l'école, le vétéran, Mathis Tremblay, qui effectue l'interception, qui la ramène dans la zone des buts. Le numéro 54, Adrien Delinière, qui effectue une pression extrêmement forte sur le carrière. C'est genre le jeu qui arrive une fois dans une carrière. Mathis profite de ton moment. Solide jeu, excellent bloc. Aucune pénalité, aucune infraction. Tout le monde a fait attention, bloqué de la bonne façon. Et soulignons la pression du numéro 54, Adrien Lelinière, qui a freiné le carrière dans l'exécution de son lancer. Transformation réussie, le numéro 92, Xavi Thibault qui reste impeccable, ajoute un point à la fiche des gagnants. Thank you.
soir, la même. On remet le ballon au sol du côté des triades. Encore une fois, bonne réaction là, du côté des bleus, numéro 96, Félix Portenard au plaqué. Deuxième essai. Passe incomplète. Ça donc troisième essai. On envoie du love au bleu, on envoie la chaleur, des encouragements aux vieillards, on fait du bruit pour nos favoris. Le dernier quart de la saison à domicile est en train de s'écouler, on encourage les gaillards. Un quatrième, on fait du bruit, on encourage les gaillards, let's go, let's go! On semble avoir bougé trop vite du côté des gaillards. En jeu contre les gaillards, on avance de 5 verges. Ça procure le premier essai pour les triades. Passe incomplète, deuxième essai 10. Effectué par le numéro 25, Alexis Grenon. Passe complétée du côté des triades, ce sera à court du premier jeu. Troisième essai. Et 4, troisième essai 3. On est là avec une passe voilée du côté des triades. C'est incomplet, quatrième. Avec un peu moins de 4 minutes à faire. À la partie. Oh. Et peut-être pour une dernière fois la saison, gagne. On envoie du love, on envoie l'amour au gilet bleu. Let's go les gaillards, let's go, let's go!
Excellent retour effectué par le numéro 19, le joueur défensif Tom Nerfin, qui montre toutes ses habiletés. Samuel Boudreau est dans le champ. Le poste de cœur arrière, Antoine Lefebvre, le numéro 13, là, qui est là. Depuis la deuxième séquence. Remercions nos précieux partenaires, IGA Saint-Hubert, la Fondation Asseline du Cégep de Jonquière, l'imprimeur, le droit de promotion. Les restaurants Rodier, Yannick Gagnon, député de Jonquière, à Ville de Saguenay, Hôtel Delta Saguenay, Quentin Gagnon Assurance, ainsi que la GG. Merci beaucoup. La pénalité contre les Triades, ce qui donne le premier jeu au Gaillard. Et on se rapproche encore une fois de la zone des buts. Rabattu à la ligne d'engagement par le joueur des Triades. Le maximum de bruit pour les gars. Le dernier